Tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui, je vais donc vous parler à propos de GTA V au niveau du casino. Come on! Et juste avant, je voulais juste vous dire, vous prévenir comme quoi, j'ai une chaîne communautaire. Je suis le gérant et le créateur. C'est moi qui m'en occupe. Qui est dans la description. WhatsApp GTA qui vous présente du contenu, tout ce qui est développé par Rockstar, principalement du GTA. Parce que les gens voient du GTA principalement. Et il y a beaucoup de vidéos informatives au niveau des futurs DLC et tout. C'est pour ça que pour moi c'est un peu difficile de vous donner des informations, sachant que je les mets déjà sur une autre chaîne. Donc ça sert un peu à rien. Et aujourd'hui je vais vous parler du casino, parce qu'en ce moment il y a pas mal d'informations sur des ligues d'armes, des véhicules. Mais ça c'est sur ma chaîne communautaire. Et aujourd'hui je vais vous parler du casino. Come on Rockstar, s'il vous plaît, faites quelque chose, le casino, come on. Et je vous montre sur l'écran donc un tout petit gameplay en même temps de Red Dead Redemption, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans Red Dead Redemption, on a la possibilité de faire du poker et même de tricher. Bon, après, on se fait choper et tout, mais même faire du poker, les gens, donc dans un jeu qui est aussi développé par Rockstar. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu d'énormes leaks et tout en disant ouais, dans le code source et tout du jeu GTA V, apparemment, un jour ils vont sortir donc ce fameux DLC casino qui devrait être vachement cool et qui devrait présenter par exemple la roue, le blackjack. Ça, c'est un jeu que j'adore. Même si c'est très simple, je suis d'accord avec vous. Mais le blackjack ou voir le poker un peu plus complexe, mais bien évidemment qui est assez cool. Et c'est pour ça que moi j'attends vraiment à ce qu'on va se retrouver avec ce DLC là. J'espère. Là je me pose des questions, on se pose tous des questions, parce que ça fait longtemps. Là déjà ça fait au moins deux mois qu'on n'a pas eu de gros DLC, à part ce géant DLC sur le braquage. Mais depuis on n'a vraiment rien eu. Et je comprends pas pourquoi Rockstar auront développé, ils seront fait chier à faire un immense casino comme ça dans Los Santos, ou quasiment au centre de Los Santos, et finalement il y a rien, il y a pas de DLC, il y a quasiment aucune information là-dedans. Et moi je pense que ça peut être un truc qu'ils peuvent le mettre, mais peut-être pas n'importe quel jour, ou je sais pas, n'importe quel mois. Je sais pas s'il y a un jour du poker, ou s'il y a un jour, je sais pas, faut voir. En fait, faut, et c'est pour ça que je vous demande votre aide, s'il y a pas une, on peut pas établir quelque chose en disant il y a beaucoup de chance que dans ce mois-là, il peut avoir ce DLC-là, parce que ça a été une grosse journée où il y a des liens avec Rockstar et tout, à propos du poker ou de certaines choses comme ça. Parce que souvent, ils font pas sortir un DLC comme ça. Ils font pas dire on va mettre un DLC, par exemple le DLC Casino, ce mois-là parce qu'on en a envie. Bon, c'est possible, mais normalement non. Lorsqu'ils sortent un DLC et tout, c'est parce qu'il y a des raisons, parce que c'est aussi voilà, c'est la même période que nous on est en train de vivre. Par exemple mois de décembre, ça sera un DLC Noël ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je me pose plein de questions. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez vraiment envie de regarder, soit ça va être des informations au niveau des futurs DLC comme des armes et tout, donc allez sur cette chaîne là WhatsApp GTA. Ou alors il y a aussi donc des fanpages, donc avec des amis et tout, donc si ça vous intéresse, voilà. Ou alors il y a aussi par exemple des mods, pas mal de véhicules modés, très beau, franchement il y en a quelques-uns sur des. Ils ont un qui a fait un bateau de guerre comme mode dans GTA V, et c'est vrai que ça m'a assez choqué, donc je l'ai mis sur la chaîne. Il y a aussi des trucs entre guillemets avec des kikous, enfin bon, ça fait rire, mais bon voilà, après c'est sûr qu'il y a quand même des limites là-dedans. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Moi j'ai besoin de vous, que vous me dites un peu dans la barre des commentaires, quand est-ce que vous pensez que ce jeu, enfin que ce DLC plutôt, va sortir, fucking shit, parce que moi je le veux, putain, merde, pourquoi, je suis blasé, je fais des vidéos et tout, et ça sort pas. Je comprends pas, ça sort pas. Ça sort pas. Ça reviendra jamais.